Salut à toutes et à tous, c'est Banou, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, nous allons analyser le trailer que nous propose Ubisoft concernant le nouvel agent du DLC Hong Kong qui aura pour nom Lésion. Oui, c'est officiel, il s'appellera bel et bien Lésion, les leaks se sont donc avérés être vrais. Pendant son trailer, nous découvrons que Lésion pourra déployer des dispositifs sur le sol, du gaz toxique sûrement, si l'on regarde la description du trailer d'Ubisoft, c'est écrit « Découvrez Lésion, le chimiste et expert en démolition ». Donc ce serait sûrement des mines qui dégageront du gaz quand on marchera dessus. À un moment, sur le trailer, on voit que la mine devient transparente, attention à ne pas confondre avec l'invisibilité. Ce sera sûrement le même principe que le drone d'écho, dès que vous poserez votre mine par terre, elle deviendra instantanément transparente. Concernant l'armement de Lésion, en arme principale, il possèdera la T5 SMG et le 612 SD. En secondaire, ce sera le Q229, vous pourrez vérifier si vous le souhaitez sur le site d'Ubisoft que je vous mettrai bien évidemment en description. Donc, pour en revenir à sa capacité, c'est vraiment quelque chose d'utile et bénéfique pour Rainbow Six Siege, d'une part je pense pour limiter le rush et privilégier l'aspect stratégique du jeu. Pour les personnages du type H, Capitao, Buck et compagnie, ça les obligera à prendre leur temps d'analyser leur environnement pour ne pas marcher sur ces dispositifs, sur ces espèces de mines. Et je pense que nous sommes très très nombreux à avoir demandé un buff sur IQ, et bien je pense qu'IQ sera peut-être un petit peu plus joué pour éventuellement trouver ces fameuses mines, ou alors le piège sera mécanique et non électrique, enfin ça on verra bien. En défense, personnellement, ça va être un pur kiff. Capcan, Frost, Smoke et maintenant Lésion, on va pouvoir faire de nouvelles stratégies et ça c'est vraiment super cool. Pour moi, ça ne fait aucun doute que ce sont des mines toxiques. Après, comme je vous le répète tout le temps, j'ai pas la science infuse, mais je pense vraiment que ce sont des mines qui, au moindre contact adverse, eh bien, les déclencheront et ça libérera du gaz qui blessera l'ennemi. Après, est-ce que ça l'empoisonnera? Ça, j'en ai strictement aucune idée. Après, on voit des espèces de pics sur le piège. Est-ce que ça servira simplement à le blesser? Ça, j'en doute, car Ubisoft affirme que Lésion est un chimiste. Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo.